Je remercie le Seigneur. Je ne savais pas que je pouvais porter ce genre de... porter le fardeau que Dieu m'a fait porter. J'ai connu Slim en Afrique. Je suis une Africaine. Je suis une Camerounaise. Si je suis en France aujourd'hui, ne vous plaignez pas, je me sens bien. Je me sens bien. Si je suis en France aujourd'hui, je venais, je repartais. Je suis une chanteuse aussi, une artiste. Et si je suis en France aujourd'hui, c'est grâce à Slim. Voilà. Je ne veux pas être long. Je veux parler aux femmes. Je veux parler aux hommes. C'est dans la maladie, c'est dans le malheur qu'on sait qui est qui. On a fait un parcours. Je suis une femme solide, caractère un peu. Hein? Alors, on a fait notre petit parcours, mais sans vous mentir, ne pleurez pas. Je vous ai dit, je veux pas qu'on pleure, je veux qu'on célèbre Slim. Parce que Slim a été triste 8 ans. Il a été longtemps malade. Il a souffert. Nous, on est là aujourd'hui. Dieu nous a aidés. Que Slim se repose en paix. Ça ne sert plus à rien de pleurer. Parce que nous avons pleuré 8 ans. Donc, il faudrait, là où il est là, s'il ne souffre plus aujourd'hui, il faut que Slim aille se reposer en paix. Donc, dans ma nature, ce monsieur que j'ai connu, je ne suis pas une femme intéressée. Je ne savais pas qui était Slim Pesin. J'avais connu Slim à Côte d'Ivoire, à un festival. Moi aussi, je suis une star. Mais moi, je suis fière. Même si je suis... Mais quand je suis, je me sens. C'est que je suis une star. Alors, la génération de Slim. Je connais Manu. Je connais quelques têtes. Nous, on est en Afrique. Donc quand on est star là-bas, on se bat aussi pour chercher, il faut la famille, tout ça. Mais je ne savais pas la légende que je portais, le génie que je portais, l'esprit. J'ai su que j'avais un problème. Je suis une jumelle, je suis une Africaine initiée. J'ai su que j'avais un problème quand Slim est tombé malade. J'ai eu des perturbations dans ma vie. À un moment, j'étais perdue. On avait décidé, Slim et moi, ce secret de combattre. Parce que je l'aime. Le jour qu'on nous annonce, elle était avec nous. Le pronostic sort, on dit 2 ans. Je me lève. Je dis au professeur, je suis une Africaine. Vous n'êtes pas Dieu. Et dire à un être humain, 2 ans, nous allons remettre à Dieu. Elle était là. Ils ont dit que je suis folle. J'ai dit, je vais invoquer mes parents. Je sais, monsieur, je ne suis pas venue pour rester au carrefour avec les enfants. Ils vont nous aider. Nous sommes à 8 ans. Voilà. Mais Dieu, il y a un Dieu. Tu as décidé autrement. Voilà. Nous avons combattu, lui et moi. Aucun de ses enfants savait que, bon, il a mal au dos. Il savait que ses amis, oui, j'ai eu mal au dos, machin. Mais le secret. Il me dit, je lui demande, tes amis, tes enfants vont me tuer. Je fais comment? Il me dit, rien. Un homme que tu as aimé, tu dois écouter. Donc, j'ai gardé le silence. Et quand j'ai vu que c'est mauvais, j'ai appelé, je lui dis, je suis obligée d'appeler tes meilleurs amis, tes frères. J'ai appelé Bruno Coulet, j'ai appelé Max,
Et puis, c'était le dernier moment. Et j'ai accompagné Slim, j'ai appris, il m'a forgé, sa maladie m'a forgé. J'ai accompagné Slim, je disais à mon mari, sois fort. Même quand c'était mauvais, je lui dis, sois fort, on est avec toi. On a des projets. On a été là. Avec les enfants, on trompait les enfants. Dès que les médecins, est-ce que ça va, monsieur Slim, vous avez mal, impeccable, ça va. Alors qu'il tremble de douleur. Alors, nous, les femmes, moi je l'aimais. Slim croyait que j'allais partir. Je lui dis, Slim, tu ne me connais pas. Je serai avec toi. C'est Dieu qui nous dira. Et on a été là. Il y a eu des hauts et des bas. Quand ça tournait, au moment où on savait qu'il commence à partir, j'ai fait venir Jonis, j'ai fait venir quelques... J'ai fait venir, sa fille est venue. On était là, mais il fallait pas pleurer. Il fallait donner l'espoir à vie à Slim. Nous devons continuer à nous donner l'amour. L'amour, c'est pas l'argent. L'amour, c'est pas le matériel. L'amour, c'est pas la carrière de Slim Pesant. Je n'ai pas connu Slim Pesant pour gratter sa carrière. Je vous jure que je ne savais pas. C'est quand Slim meurt que son ami, je découvre que je vois ses parties dans tous les sens. Mais le dernier mot que je vais vous dire, j'ai remis le décès de Slim à ses amis parce qu'il m'avait dit, je suis un fils unique et ma musique, c'est tout pour moi. Mes amis sont tout pour moi. Chaque vendredi, je devais être avec ses amis. Je me suis mis à côté. J'étais distraite dans sa vie. Donc, c'est pour ça quand Slim s'en va, j'ai dit, je vous remets le deuil. Nous allons célébrer Slim Pesant qui a été humble. Slim Pesant qui a été un homme généreux. Slim qui a adopté des enfants. Slim qui était partout chaque fois qu'un ami, sa carrière, chacun qui appelait Slim, il se levait. Slim s'est battu pour les artistes. L'aspect du dame, des années, 10 ans. Il s'est battu pour les jeunes artistes. Nous devons continuer comme ça. Je suis contente aujourd'hui qu'au moins... Mon mari n'a plus de douleur. Il ne souffre plus. Il est devant. Il est entre les mains du Seigneur. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, venons, venez nombreux qu'on célèbre Slim Pesant. Amen. Jusqu'au dernier moment, il n'y a pas de street machin. J'ai connu Slim. Sa famille, c'est les musiciens. Sa famille, c'est vous. Sa famille, c'est tout le monde. Je l'ai emmené dans les sous-quartiers, manger dans les bidonvilles. Il était Slim Pesant. Il n'a pas fait comme d'autres. Un homme humble. La leçon. Va en paix. Ah, on va continuer à t'aimer. Tous tes amis sont là. La musique que tu as aimée. Tu as aimé des belles voitures. J'ai voulu organiser. J'ai voulu aujourd'hui que tu débutes un long voyage avec tous tes amis, avec un monde que tu as aimé. Parce que tu étais un homme qui était bon. Un homme de cœur. Un homme en or. Va, nous pensons, nous resterons aussi en paix. On sera toujours avec toi. Tu as laissé les enfants, je te promets. Sont mes enfants. Nous resterons en paix. Papa va te reposer en paix. Merci. Merci. Merci beaucoup Chantal pour ces paroles émouvantes et ces mots très justes.